cette période de confinement, je fais cette petite vidéo pour répondre à vos questions parce que si vous êtes en orientation, étudiant, que vous êtes en reconversion professionnelle, que vous êtes chargé d'une mission et que vous êtes en confinement, que vous avez besoin de mettre des actions en place pour pouvoir être efficace dès que vous sortez, etc. Je suis là pour répondre à ces questions et notamment j'en ai eu quelques-unes sur le fait d'inclure du développement personnel, pourquoi dans une formation finalement à visée professionnelle. Eh bien, si vous allez voir que tous les outils sont joués par des personnages, 6 types de personnalités seront représentées. Les deux principaux sont la travaillomane, Sophie Fonfec, la professeure d'école, qui va vous apporter toute la théorie en analyse transactionnelle, me comprendre les relations, la communication, comment gérer un conflit interne ou avec les autres, comment mettre en place votre objectif, les actions concrètes, etc. Et puis, vous avez bien sûr la rebelle, la fée pas chier, qui, elle, va venir confronter, va dire dans la vraie vie comment ça se passe, elle va mettre en pratique directement les outils appris. Elle va mettre en pratique avec vous. Ça va vous permettre de voir l'angle de communication de la rebelle. Et si vous êtes rebelle vous-même, ça pourra résonner. Et puis, il y a 4 autres personnages, puisqu'il y a moi-même qui suis la promoteur, qui va venir là justement faire le lien, vous accompagner, faire l'accompagnement pédagogique, vous faire du coaching individuel s'il y a besoin pendant le parcours, qui va vous suivre à distance dans cet e-learning. Et puis, on se retrouvera bien sûr sur les séminaires si vous venez. Il y a Kiki Boop qui est la persévérante, c'est celle qui va mettre en scène et puis qui va aussi apporter tout le travail avec le corps, pouvoir justement avoir cette distance et ce jeu de rôle puisque c'est danseuse cabaret avec sa petite perruque. Et puis il y a Chris Bell, donc le travail sur la vision qui est l'artiste, la rêveuse, la vision créative avec des jumelles et qui va vraiment faire des ancrages positifs et vous permettre de mettre en place votre résultat. Et puis Shamatha qui veut dire calme mental en sanskrit. Et là, j'apporte donc tous mes outils en psycho-énergétique, l'empathique, et qui va venir vous apporter les outils de régulation du stress, le contact, l'automassage, pour justement nourrir avec ces outils-là en transversal tous les outils de mise en place de votre programme. Donc, vous avez 3 étapes, passion, unicité, résultat. Dans chaque étape, vous avez différentes actions, désir, vérité, énergie, votre valeur, vos valeurs, votre attitude, votre temps, votre vision, votre programmation. Et dans ces 9 grandes étapes, bien sûr, des marches à gravir. Alors, ça sera à vous de choisir si vous voulez le programme complet ou si vous voulez simplement prendre des petites marches à droite, à gauche pour gravir votre propre escalier. En tout cas, je suis à votre disposition. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Oui, c'est sérieux, même si j'utilise le jeu de rôle. Je suis comédienne, artiste avant tout, même si je suis coach systémique du changement et psycho-énergéticienne. Et donc, on est là aussi pour rire dans ce parcours et prendre la distance qu'il faut pour pouvoir bien avancer. Ensemble, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, j'utilise un masque, c'est justement pour faire de l'humour, c'est Masque Iso. Chaque fois que je chausse Masque Iso, vous allez pouvoir rencontrer un de ces personnages. Sachez donc que le plus gros du corps de la formation, c'est donc fait avec 2 personnages, la travaillomane et la rebelle. Et tous les autres viennent en périphérique pour nourrir le programme et faire en sorte qu'il soit complet pour vous, qu'il parle à tous les types de personnalités. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. On peut faire aussi un diagnostic. Le premier diagnostic de vos besoins est gratuit. Et puis, on travaillera sur votre objectif professionnel de façon à ce que vous puissiez vous-même, avec tous les outils et donc de façon guidée, l'atteindre. Alors, est-ce que c'est sérieux tout ça? Eh bien oui, parce que c'est pas par le jeu de rôle, d'accord? On joue, ok, mais on avance vraiment et là, on va aller droit sur le résultat, droit sur votre objectif et vous allez pouvoir apprendre tous les outils en autonomie pour pouvoir réussir durablement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Le développement personnel à visée professionnelle et puis si vous êtes vraiment dans cette démarche de prendre un tournant, d'entamer un changement vital pour vous, eh bien c'est peut-être le moment et c'est peut-être une formation pour vous. J'aurai un grand plaisir en tout cas à vous recevoir lorsque j'organiserai des séminaires de rencontres, de mise en pratique. En attendant, sur le web avec grand plaisir et puis en visio pour l'accompagnement individuel. À bientôt, au revoir.